Donc vraiment nous faisons comme ça. Tout le monde comme ça, comme ça. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour votre émission Paris News. Tout savoir, tout entendre sur l'actualité musicale et artistique qui nous entoure ici même à Paris. Des news, en veux-tu, en voilà. La fête de Cayenne du côté de Sarcelles, nous y étions et je voudrais tout particulièrement remercier Baptiste Lantin. Chaque année, il nous propose avec grand plaisir cette fête de Cayenne du côté de Sarcelles. Reportage et on se retrouve juste après. Oui, bonjour, on est à Sarcelles, au chapiteau de Sarcelles, pour la fête de Cayenne. Donc, il a commencé depuis le 15 octobre, la quinzaine guyanaise ici en métropole un peu partout. Mais nous clôturons cette semaine guyanaise ici à Sarcelles avec un plateau d'artistes très très important. Parle-moi un peu de la fête de Cayenne, c'est quoi? Alors, la fête de Cayenne, c'est la 103e ou 33e. Fête de Cayenne, c'est-à-dire c'est l'organisation de la première municipalité en Guyane. Alors voilà pour la ville de Cayenne, c'était un 15 octobre et depuis c'est toujours resté, on fête toujours le 15 octobre. Auparavant, quand j'étais petit, le 15 octobre, les baraques restaient sur Paté Parmissé, aussi sur la crique, jusqu'au 11 novembre. Maintenant, c'est un peu écourté par rapport au prix que ça demande et tout ça, des artistes et tout. C'est devenu moderne, quoi. C'est plus court mais plus beau. Je suis à Sarcelles parce que je suis dans le 95 et que voilà, il faut le faire. Il y a beaucoup de gens dans le 95, même dans l'Oise et même d'ailleurs le 94, 91 qui viennent nous voir à cette fête. Qui ça leur permet de sortir en plein jour puisqu'on finira ce soir à minuit. Et voilà, c'est au lieu d'aller dans les boîtes, et bien les musiciens surtout qui sont de passage, les chanteurs comme Kekel, comme d'autres qui coûtent très cher pour les voir. Et les gens ont la possibilité de les voir ici sur un plateau et surtout de leur côtoyer gentiment dans cette salle. Alors les artistes de la Guyane et puis les artistes des Antilles aussi, puisque nous avons Metalzo qui a un panoplie d'Antilles, de Martinique et Guadeloupe, et le groupe Dokonon qui a un peu de mélange aussi, le groupe Sensation qui est très mélangé. Bon, nous avons Victor, nous avons quand même la présence de Sylvain Cédia qui sera là ce soir, nous avons Victor Clint qui vient de Guyane, et puis un groupe Mérinos, on a une chanteuse de Paris, et deux, Ursula, la princesse, et puis l'autre, j'oublie son nom, mais quand même, on a un petit plateau de playback, dont trois orchestres en live. Beaucoup de temps pas perdu, mais il faut avoir du temps. Et surtout par ce moment de grève, je peux vous dire que c'est pas du tout facile. Mais on arrive quand même à l'échéance de cette 29e fête de Cayenne. Ce n'est que demain, je dirais ouf, c'est bien passé. Et là maintenant, je promets, je voudrais une seule chose, qu'on reste calme, surtout moi, vis-à-vis du public, vis-à-vis des musiciens, puisque l'attention elle est très très forte. Pour une fois, j'ai 2 heures de retard. Et je pense qu'on va rattraper ça une fois que le plateau sera parti. Yeah.
déjà bonsoir. Donc Total Zouk, c'est un petit groupe qu'on a monté entre amis, quoi, en fait. On discutait et puis on s'est dit pourquoi pas faire un petit groupe de zouk, qu'on joue que ça, que du zouk. Et mes copains, ils ont répondu présent, donc on l'a fait. Quoi. Ça me fait quoi? C'est-à-dire que Monsieur Lantin, Monsieur Lantin, je le connais depuis longtemps. Il m'a jamais oublié. Donc je suis toujours dans la fête de Cayenne. Toujours. Je connais pas la Guyane, mais de la part de Monsieur Lantin, oui, je connais un petit peu. Ok, donc Total Zouk, c'est un nouveau groupe alors. Total Zouk, c'est un nouveau groupe. On a fait déjà deux concerts. C'est le deuxième là aujourd'hui. On a fait un concert avec Mitch. À Person Beaumont, ça a bien marché. Séquence créole, @hotmail.fr ou sinon mon numéro de portable. Oui, c'est le groupe de Conan qui va jouer. Là. Alors, de Conan, je vais te dire, de Conan, c'est un orchestre qui a pris formation. C'est une formation qui est née ici à Paris, et ça fait quelques années. Mais on trouve à chaque fois de Conan, c'est-à-dire pendant le carnaval ici. Et ça fait la troisième fois qu'ils viennent sous le chapiteau. Et je pense que ce n'est pas fini. C'est un orchestre que je soutiens beaucoup. Je les aide de façon à ce que d'autres personnes arrivent à les connaître aussi. Alors, ce n'est pas une chose facile. La disponibilité des musiciens, on ne peut pas gérer ça facilement. Mais Dieu merci, ils sont là. Et surtout, ce soir, ils sont avec Keket et Anzi, le chanteur principal de Conan. Et l'année dernière, c'était avec José Sebeloué. Alors, cette année, c'est un autre tableau, un beau tableau. Le roi du carnaval de Guyane, Keket en personne, sera là avec Conan sur le chapiteau de Sarcelles. Je suis arrivé à Paris pour cette manifestation, cette organisation. Et donc, pour deux manifestations plus ou moins, ça a été le Zénith et le chapiteau de Sarcelles. J'ai invité par Monsieur Lantin. Donc, le Zénith, ça a été magnifique, rien à dire, vraiment un beau public. Je crois que la Guyane et quelques amis des Antilles, un petit peu de partout, nous ont entendus. Ils ont bien rempli cette salle, ça nous a fait plaisir. C'était rempli à 90%, presque à 100%, dirais-je. Mais c'était vraiment bien. Le chapiteau, maintenant, je suis encore invité par Monsieur Lantin pour la fête de Cayenne. Le chapiteau pour la fête de Cayenne, donc c'est magnifique, rien à dire. Donc ça ne fait que commencer. Puis bon, il faudrait tout à l'heure que tu viennes voir l'ambiance, quoi. Ouais, mais bon, j'aime pareil quand il fait bon, mais là il fait froid. Et quand je viens, il fait trop chaud. Donc quand il fait bon, oui, j'adore. Mais maintenant, il est en studio. Enfin, j'ai fait le mastering hier. Donc le prochain album qui sortira, faut compter. Vers mi-novembre, 20 novembre à peu près, quoi. D'accord. We'll be right back.
attitude sympathique, j'ai apprécié. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde comme on attendait parce qu'à cause de l'histoire des sens, c'est vrai que ça fait peur, hein, on va le dire. Hein, mais sinon, il y a quand même pas mal de personnes qui ont pu participer au spectacle. C'était bien. Qu'est-ce qu'elle devient, Amélie? Ben Amélie, ben on l'a en 4e B. On l'a en 4e B, je suis là, je tourne, je fais mes affaires. Ben, Suzette organise pas mal de choses pour les Guyanais en région parisienne et à Paris. Entre autres, je suis vice-présidente du Carnaval de Paris. Là, nous sommes en train d'organiser une grande soirée le 11 novembre, pour, le 11 décembre, pour acheter des cadeaux pour les enfants défavorisés de Guyane. Il y a quelqu'un parmi nous qui a mis le feu au zénith. Ouais. Et c'était très, très bien. Très, très bien. Comment on peut de la communauté guyanaise ici à Paris? Eh ben, on essaye de se réunir hein, pour organiser pas mal de choses. Hein. Cette année, on va défiler sur les Champs-Élysées. Alors, on essaye de se réunir, tout le monde ensemble. Pour le carnaval? Pour le carnaval. Il y a beaucoup de Guyanais ici? Il y en a pas mal. Hein. Je ne pourrais pas te dire le nom, mais il y a beaucoup de Guyanais à Paris. Une Guyanais active qui fait des choses. C'est une communauté pardon active qui fait oui, des choses. Oui. Il y a eu 3 soirées la semaine dernière. Là, il y avait une belle soirée hier. Et ensuite, on a eu le Zénith pour une première fois. Je peux te dire qu'ils ont mis le feu, hein, la Guyane. C'était parfait. Parfait. Quelques mots à la Guyane. Qu'est-ce que ton message aux Guyanais? Eh ben, j'envoie un grand bonjour et je pense que d'ici une semaine, je serai en Guyane. Ah ben voilà, nous sommes très heureux d'être là à Sarcelles. Hein. Ça fait chaque année que l'organisateur se promet la tête pour organiser ça pour nous. Donc nous là, nous très contents, nous très heureux. Nous allons prendre nos pieds, nous là, nous allons motiver. Donc voilà, tout se passe bien. Ah ben ça se passe bien là, pendant 2 semaines. Franchement, il y a eu beaucoup d'événements. Tout